Saint-Savin, aux côtés de Serge Marquet. Bon Serge, toi tu as connu Julien en quelle année? La première année qu'il a commencé ici, c'est la saison 96-97, en junior, il avait 17 ans. Il n'avait jamais joué au rugby avant? Non, il joue au tennis. Ah ouais. Et ses parents n'étaient pas bien chauds pour qu'il intègre le rugby. Mais bon, à force des choses, il était sans arrêt contre la barrière à regarder les gens de son âge. Il a fini par attaquer, ouais, à 17 ans, saison 96-97. Et lui, son souhait, c'est de jouer derrière. On voit tout de suite qu'il a des qualités hors normes, déjà. Il s'est plaqué, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Il a un coup de pied de mammouth. Voilà, il a des bonnes dispositions et puis il va vite, quoi. Donc, après une année junior, ben après, il monte en équipe première tout de suite. Il fallait y venir ici à Saint-Savin. Il fallait y venir à Saint-Savin, hein? Ouais. Ben, à la fin de la saison, après, il part à Bourgoin. Donc, il a fait deux saisons et tout de suite, il a été repéré et ils vous l'ont piqué comme fait. Beaucoup. Hein. Non, mais on savait. Mais non, ça, je crois qu'avec Bourgoin, on s'entend bien là-dessus. Il était fait pour aller à Bourgoin, quoi. C'est, à l'époque, c'était Michel Couturas qui entraînait. Et puis, ben, Michel Couturas l'a repositionné en troisième ligne. Lui, il l'a mis en troisième ligne. Voilà. Et puis, c'est le début de sa grande carrière. Pour moi, je pense que c'est un des plus doués de sa génération en troisième ligne. Et c'est sans chauvinisme. Voilà. Et puis, ben, j'aimerais bien qu'il vienne nous filer un coup de main pendant une année, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant que joueur, à la fin de sa carrière. Tu l'as connu quand, Julien? Alors Julien, c'était en 1996 au lycée horticole de Saint-Imier. On a fait deux ans de bac pro entrée au paysager. On s'est retrouvés à travailler ensemble à la mairie de Bourgoin. Je vais rester de bons amis. Quand tu l'as connu, il jouait déjà au rugby? Il commençait le rugby à Saint-Savin. D'ailleurs, je me rappelle, ouais, sa maman qui ne voulait pas trop qu'il joue au rugby, voir si c'est ce qu'il y a de tes oreilles. Et donc, il fallait absolument qu'il mette un casque. Et moi, j'allais un petit peu le voir à Saint-Savin. Et surtout quand on s'est retrouvés à Bourgoin ensemble, je venais le voir un petit peu. Rentrer aux espoirs en espoir, donc je venais un peu plus le voir et déjà là on rigolait ensemble. Je lui disais, mais toi, la porte va t'appeler, tu vas finir en équipe de France, mais c'était vraiment sous l'air de la rigolade quoi. Et du coup, bah, à chaque fois qu'on le voyait, il prenait de plus en plus d'ampleur et donc ça faisait plaisir quoi. Mais par contre, chaque fois qu'on a des échanges entre nous, on ne parle jamais de rugby, on est vraiment, parle vraiment d'autre chose quoi. On sent qu'il a besoin d'avoir des coupures rugby. Il n'y a pas quoi. Que le rugby. Il n'y a vraiment pas que le rugby pour Julien. Quoi. C'est quelqu'un qui est passionné par son métier et qui a toujours aimé ce qu'il faisait. D'ailleurs, il rentre chez lui, c'est le jardin. Il fait pousser des trucs dans le jardin. C'est les tomates, les salades. Son deuxième prénom, c'est Nicolas le jardinier. Quoi. C'est Régis le jardinier. C'est très bien ce que Béjoul y pense de toi. J'ai toujours été fier de toi, mon Jus. Et je serai toujours présent avec toi. Bon, t'as commencé à quel âge déjà, toi, le rugby? 17 ans. À Saint-Savin? Ouais. Quel souvenir tu gardes de Saint-Savin? Bon, parce que c'était avant tout la Bringue. J'ai commencé avant tout pour ça, pour les copains à la Bringue. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de Bourgoin? Je garde cette ambiance, forcément, l'ambiance qu'il pouvait y avoir au stade. À Rajon? Ouais, à Rajon. Ouais. Ouais. C'est vrai que les équipes craignaient de venir à Rajon, et c'est vrai qu'il y a eu l'invincibilité sur 3 ans et demi, je crois. Ouais, cette période-là était... C'était très importante, quoi. C'est aussi la ville où je suis né. Voilà. Puis on parle souvent de la Bergalie, c'est quand même une confrérie des Bergaliens. Il y avait beaucoup de liens entre nous, même si on ne s'appelle pas. Quoi. Et c'est vrai qu'on est plutôt des taiseux, je crois que tous ceux qui y sont passés sont un peu dans ce cas-là. Alors tu es à Saint-Savin, tu bosses, espace vert, tu es à l'école, hein. C'est quoi ton diplôme? Ouais, j'ai un BPA, un bac pro en travaux paysagers, ouais, je voulais faire paysagiste au départ. J'avais mon collègue David justement qui bossait aux espaces verts déjà depuis un an à Bourgoin, qui m'avait appelé pour me dire qu'il y avait un poste. Je commence plein de temps au départ, quand j'étais en espoir, donc c'était un peu compliqué. On s'entraînait entre midi et deux. Donc, ouais, en même temps à la mairie, tu bosses pas beaucoup. Ah mais quand même. Non, c'était un peu dur. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus. T'es pas à l'usine comme certains métiers, mais fallait quand même se lever, fallait se taper le boulot le matin, enchaîner l'entraînement entre midi et deux, manger un sandwich, repartir à l'après-midi pour faire la deuxième moitié de journée et finir par la muscu le soir. Donc c'est vrai que ça faisait des bonnes journées. Plutôt en fin de carrière, t'as pensé à ton après-carrière, t'as déjà des projets, tu sais ce que tu veux faire? C'est pas encore défini à 100%, mais ouais, j'essaye de me projeter parce qu'il reste une saison et
on se dit c'est long, mais à la fois ça passe très vite. Tu voudrais faire entraîneur? Non. Tu voudrais pas du tout? Non, 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 parce que entraîneur c'est encore pire que joueur, quoi. Tu pars tous les week-ends, j'ai envie d'être vif comme tout le monde, pouvoir être en famille le week-end, pouvoir aller à un anniversaire, pouvoir aller à un mariage, pouvoir, enfin, toutes ces choses qu'on peut pas faire depuis plusieurs années, quoi. Tu parles d'entraîneur, et certains disent que tu es le fils de Van Cotter. Pourquoi, tu penses? Peut-être pour la coupe de cheveux qui est en train d'arriver. Non, je sais pas, voilà, après je m'entends bien avec lui, ça m'arrive d'aller à la chasse avec lui aussi. Moi, après, je crois que... C'est qui tire le mieux? Ah, il tire pas mal, ouais. Il tire pas mal. Et vous n'allez pas à la chasse pour parler de rugby, justement? Ben, on en parle assez la semaine, donc c'est vrai que ça fait du bien de couper, ne serait-ce qu'une journée ou une demi-journée, mais parler d'autre chose, ouais. Avoir quelque chose à côté pour justement pouvoir s'oxygéner la tête. Ton meilleur souvenir avec l'ASM? Il y a forcément le titre, quoi. Le titre qui a été... l'aboutissement de plusieurs années de travail, d'une remise en question, parce qu'il y a eu... Moi, j'en ai vécu deux perdus, mais il y en avait une encore avant. Ça faisait trois finales perdues d'affilée avant d'arriver enfin à le toucher. Voilà, ça reste un moment magique avec une fête mémorable ici. Des moments qu'on a envie de vivre plus souvent dans la carrière, malheureusement, ça arrive que rarement. Ton meilleur souvenir en équipe de France, qu'est-ce que tu gardes? J'ai eu beaucoup de déceptions sur les dernières, mais y en a eu un très bon à Cardiff en 2007. En quart de finale face aux Blacks. Bon, on a l'habitude de vous voir en haut du tableau, qu'est-ce qu'on vous souhaite? J'aimerais bien que vous touchiez la Coupe d'Europe avant d'arrêter. C'est la compétition majeure, je pense, d'un joueur professionnel. Donc, ouais, pouvoir la toucher une fois, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Julien Bonner, vous le connaissez pas? Non. Ça ne m'aurait pas étonné. Alors, David Beljujovic. Non, mais sérieusement. Faut faire les yeux du désespoir. Ouais. Je crois qu'on nous observe. Quel beau journal. Pense à tes 3 ans. Ouais, c'est pense bien. À l'argent. B-E-H-L-J-U-L. Oh, je t'en montre que quelques-unes. C'est enregistré, par contre. Là, c'est enregistré. Elvis. Elvis, on aurait eu plein. Mais Julien Bonner. Ah, tu Julien, c'est... Ah, pardon. J'en ai pas, à part... Ah putain, mais non, mais... Je me suis énervé tout de suite. T'as joué avec Fanzan, toi? Avec? Avec Fanzan, t'as pas joué avec lui, non? Non. Ah, merde. Ah, baiser. Ah, merde.